I've been wasting time. My state of mind's been a little hazy lately, but I stay alive. Come take a dive inside my head. Feeling down but never out, I'm hanging by a thread. I'm wasting time. My state of mind's been a little hazy lately, but I stay alive. Come take a dive inside my head. Feeling down but never out, I'm hanging by a thread. Sometimes I feel like I'm dying, sometimes I feel already dead. I got an obsession, perception's kinda messing with my head. I wake up in a daze, don't even keep track of days. I got a problem with myself, but I know I'll be okay. I got a lot of pressure built, hope I don't crack the foundation. I think it's maybe time for me to change the location. I don't know what I'm doing, usually I'm just pacing and wondering if everything I want is worth chasing. Damn, 3 a.m. and I'm wide awake. Nothing changes, pack it up and just drive away. Sick and tired of this everyday hide away. This everyday hide away. Maybe I've been wasting time. My state of mind's been a little hazy lately, but I stay alive. Come take a dive inside my head. Feeling down but never out, I'm hanging by a thread. I'm wasting time. My state of mind's been a little hazy lately, but I stay alive. Come take a dive inside my head. Feeling down but never out, I'm hanging by a thread. I'm hanging by a thread. Pulled it from my pockets. I know I say it all the time, but I don't ever plan on stopping. No matter the circumstance, I'm battered, it's worth a chance. I bet I'll be better tomorrow. I'm done with the sorrows, damn. Wasting all this time, stressed about what's out of my control. Life is a journey, the best thing you can do is ride it slow. The highs and lows will come and go, you better buckle up. Been a minute in the slumber, I finally toughened up. But damn, 3 a.m. and I'm wide awake. Nothing changes, pack it up and just drive away. Sick and tired of this everyday hide away. This everyday hide away. Maybe I've been wasting time. My state of mind's been a little hazy lately, but I stay alive. Come take a dive inside my head. Feeling down but never out, I'm hanging by a thread. I'm wasting time. My state of mind's been a little hazy lately, but I stay alive. Come take a dive inside my head. Feeling down but never out, I'm hanging by a thread. Bon, allons voir si si concessionnaire est ouvert. C'est à toi de me regarder. Alors, est-ce qu'il est ouvert ce con? Hein? On va aller voir. Oh putain, je crois que c'est pas ouvert. Ah, oh, c'est pas ouvert, putain. L'autre porte là-bas est ouverte ou pas? Voyons voir. Eh putain, c'est pas ouvert. Y'a jamais personne ici, hein. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et oui, et oui, et oui, et oui. On est encore sur du GTRP. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Today, on va live pendant un petit moment je pense. Je vais essayer de me trouver un job. Bon, il n'y a pas énormément de personnes là aujourd'hui. Bah, pour le moment on est que 6. Mais bon, c'est toujours, j'ai envie de dire toujours plus, hein, que bref, hein, mieux vaut 6 que rien du tout. Donc on est avec notre personnage, pour ceux qui n'ont pas suivi hier, on a changé de serveur, tout simplement, parce que le problème, c'est que sur l'autre serveur, l'arrivée des personnes, le serveur est très bien, mais l'arrivée des personnes sur, je vais vous repasser en GTRP, voilà.
L'arrivée des personnes sur le serveur en fait ne correspondait pas à mes horaires de stream et de ce fait il n'y avait personne sur dessus en fait quand je venais. Donc du coup je me suis dit bah autant changer et puis voilà quoi. Donc là on est sur Elders Life RP. On incarne Tommy Bichel, toujours pareil. Cette fois-ci, il est un peu mieux habillé. Sauf que, en fait, je vais peut-être le refaire changer d'habit parce que, en réalité, il n'y a pas la casquette des Peaky Blinders. Donc, du coup, bah, je vois pas trop l'utilité à part faire le BG comme ça en costume. Je vois pas trop l'utilité. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Il n'y a pas de concessionnaire d'ouvert, donc je peux pas acheter de voiture non plus. C'est un peu la merde, je vous avoue. Et du coup, voilà quoi. Et on va essayer de trouver un job. Même si c'est... Oh putain. J'ai failli mourir. Même si c'est en tant que flic, à la rigueur, on s'en bat les couilles, tu vois. Juste au moins avoir un job ou même médecin, tu vois, je m'en fous. Médecin, peu importe. Je veux juste pas un truc où il faut farm de ouf, quoi. Moi, je veux un truc où il y a de l'interaction avec, avec les gens. Non, on va lui faire... on va commencer par le changer, déjà. Alors, ouais, Thomas Bichel, bah du coup, il a plus la même coiffure que... sur l'autre île parce que la coiffure n'était pas dispo sur l'autre île. Je pense qu'il n'y a pas de flic à mon avis de dispo. Ça a l'air d'être vide. Oh, oh putain. Oh la vache. Bah c'est ça, casse-toi, vas-y. Oh putain. Je sais pas si on peut avoir des raccourcis. Oh la vache, putain. Ah la vache. J'essaie de voir s'il n'y a pas des EMS. C'est où, c'est là? EMS. Je sais pas s'il y a du monde aux EMS. Je sais pas quelle touche c'est pour... Voilà, c'est pour mettre une droite, ok. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est stylé quand même. Oh yeah. Last I heard, yours was hidden behind some ass cheeks. Par contre, je sais pas si je peux faire des... Moi, je peux pas avoir de...
de raccourci. Ah, je pense que bon, bah écoutez, il n'y a pas de médecin donc. Sinon, il m'aurait appelé, je pense. On va changer notre eau déjà. Et tout. Alors, qu'est-ce qu'on se met? C'est ça. Attendez, je sais pas ce qui est... qu'est-ce qui a fait le bruit là. Ah. C'est ok, d'accord. J'ai vu qu'il y avait un... ah non, mais c'est le chat RP. Non, je regardais un truc. Alors attendez. J'ai juste un message auquel je dois répondre. Juste de petites secondes. Hop. Attendez, hein, j'arrive. Ok, hop, c'est bon. Alors, bah attendez, parce que... le seul bémol, encore une fois... après, bon, je peux prendre... ah bah là, c'est bon. Ah non, c'est là. On lui faut un truc comme ça, non? On peut foutre ça, non?
Oh, je veux un truc simple. Pas bien. Je sais pas trop. On va changer le torse. Ah ouais, alors ça? Okay. Oh non, c'est moche ça derrière. Pas trop quoi choisir. Au pire, non? Moi, je trouve ça bien.
quoi cette beubar? Comment je fais pour ne rien avoir? T'as rien là? Ouais. Vas-y, on met rien, c'est pas grave. Par contre, j'avoue que la coiffure, j'aimerais bien un truc un peu plus. Ah, si, tu payes quand même. Et vous? Je vais mettre. Épouse. Voilà. Par contre, le pantalon, ça fait un peu. Ouais, ça va, ça va. Non, ça va en vrai. Par contre, ouais, ça fait pas assez personnel le. Par contre, pas. Putain, je vois rien. Attendez. Hop. Je vais baisser un peu. Dans le noir, je vois. Quand il fait sombre dans le jeu. Comment est-ce que je fais pour me déplacer rapidos? C'est pas bien, mais je vais essayer de voir si je peux pas piquer une bagnole hein, dans un parking. Je sais qu'il y a un parking par là-bas. Salut, mesdemoiselles. D'accord, ok, bon. Ça se trouve, c'est un des mecs qui a. Ah, mais il y a les EMS, ils sont peut-être. C'est de voir si je peux pas être recruté. Y a pas une voiture d'ouverte. Attendez, je vais voir où est-ce que c'est les EMS. Ils ont foutu.
C'est en haut ou en bas, à votre avis? Merde, y'a pas de place. Elles sont très petites. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Ouais, en fait, je voulais me renseigner sur sur les postes qui pouvaient être à pourvoir au sein de la ville et notamment chez EMS. Alors Si. écoutez, vous tombez bien parce que je suis le directeur, donc Oh, c'est eh nickel ben. de pouvoir vous aider. Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, il suffit juste de rejoindre notre intranet D'accord. Discord Ok. qui Ouais, se trouve normalement sur le site de la mairie, hein, je ne sais plus exactement dans quel onglet. ok, je vais regarder. Ouais, et après là-dedans, vous ouvrez juste indiquer avec une candidature qu'on puisse avoir votre CV, une petite lettre de motivation, et après on procède à un entretien en fonction de nos disponibilités. Ok, très bien. Ok, très bien. Bah écoutez, je vais faire ça et puis je reviens vers vous. Il n'y a pas de D'accord, problème. ben, il n'y a pas de souci, on vous attend, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok, très bien. Bon bah je fais ça de suite. Je vais à la bibliothèque parce que du coup j'ai pas d'ordinateur chez moi D'accord. et puis je fais tout ça. Ok, ben ça marche, il n'y a pas de souci, on attend ça tranquillement ici alors. Très bien, ça marche. Et ben c'est parfait. Parfait, ok. Merci. Il n'y a pas de quoi, passez une bonne journée, Et monsieur. également, au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Bon, les gars, on va aller se poser quelque part. Et on va faire ça. Hein. Par contre, leurs voitures sont un peu dégueulasses. J'avoue que les voitures sont un peu dégueulasses. Je crois qu'elle a été tamponnée, frère. Non? Bon allez, on va faire un petit tour, on va voir. Il y a un autre Comico là-haut? Non. Si c'est un... Ah si c'est un autre Elespidi. D'accord. Ce serait pas un petit tatouage? Putain, il faut faire lettre de motivation et tout. Oh là là. Ah ouais. Non, merci. Alors. Alors attendez, on va faire la petite lettre de motivation.
Il y a entreprise. Au début, je voulais pas trop aller dans les... chez les EMS, mais bon. Pas les EMS. Non, c'est... J'essaie de trouver le Discord des EMS. LinkedIn. Ah, EMS, L2. Yes. Et je peux faire des... Ah, attendez, on va faire un truc. C'est qu'on va... Ah, attendez, par contre, je vais passer un... parce que je sais pas si c'est risqué ou pas. Ah, attendez. Cherche mon CV à moi. À ce moment-là. J'écris n'importe comment le Bichel. C'est comme Shelby. Adresse. Attends, je suis où là? Pinewood Boulevard. Alors, 4, 13. Michel, à base, GG, téléphone, téléphone.
471 68 Ah oui, mais attendez. Ah, je vois pas bien. Je crois que c'est ça. Ok. Je sais pas ce que je vais mettre. Lycée national. Français. Ça n'existe pas. Hein. C'est de la piscine. Merci pour le follow, Raquel Boss. Ce que je fais là, c'est je suis en train de faire un CV pour être EMS. Après, il faut que je fasse une lettre de motivation. Putain, c'est chiant. C'est genre Washington. Putain, j'ai écrit nimp. Oh mon Dieu. Voilà. C'est un serveur privé. C'est Elders Life RP. Hein, c'est un serveur privé avec whitelist et tout. Pour jouer RP, les publics, ça sert à... Ouais, non, c'est clair. Bah ouais non c'est du GTA Online quoi quand tu veux sur du public un peu chiant quoi attends parce que du coup je sais pas trop quoi mettre dans le CV en vrai merde. Ouais ça me saoule. Ça me saoule un peu. Un peu vite, quoi. En même temps, qu'est-ce que tu veux marquer dans un CV, quoi? On chier. Je vais mettre 2014. On peut voir. Franchement, je te montre après. Attends. Je sais pas.
Si en réalité, ce que je fais, c'est que j'ai appris la gueule de mon CV de base. Non, mais laisse tomber, frère. Il est vide. Il est vide, mon CV. Non, là, il est vide. Franchement, en vrai, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un CV de ouf. Ouais, non, mais après, c'est long à faire, tu vois. Moi, je sais que déjà, mon propre CV, j'ai mis. Oh là là, masse de temps à le faire. Je vais dire stage en médecine interne. Non, pas en médecine interne. Non. En court séjour. Hôpital. Georges Pompidou. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis comme quoi j'avais été au lycée national français de la médecine pour faire le brevet d'État. Hein? Et que tu as fait des petits. Ouais, non, c'est ce que je compte faire. Brevet d'État d'infirmier, sachant que avant j'étais au lycée George Washington. George Washington, ça n'existe pas du tout. Pour un bac professionnel et brevet d'études professionnelles. Comme ça, je pourrais dire, genre, j'ai fait une reconversion. À la base, en gros, je pourrais dire, genre, j'ai été dans l'informatique ou une connerie comme ça. Et en fait, du coup, j'ai changé totalement de voie après, quoi. Après, stage en chirurgie. Chirurgie cardiaque. Hôpital. Un nom d'hôpital là. Hôpital. La Salpêtrière. Bien ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est bien, tu vois déjà. Voilà. Parce que ça sera en gros les stages que j'ai fait pendant les études. Et après, là, je vais mettre pour le taf jusqu'à aujourd'hui. Oh non, pas encore des travaux, s'il vous plaît. J'ai des mecs en haut de chez moi. Stage de troisième en médecine. Putain, ouf. Non, franchement, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, stop. Du coup, on est en avril. Attendez. Est-ce qu'il y a avril 2022. Merde. Bah. Ah oui, d'accord, ok. Ok. À 2022, je vais mettre infirmier. Après, tu mets des gros caractères. Ah mais... Non, quand même pas, t'inquiète. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Vous savez... Ma copine, elle est infirmière, donc je vais sortir des bails. Laisse tomber, il va pas comprendre. C'était infirmier en vasculaire. Ah, je vais dire les termes. En chie. Chirurgie vasculaire. Putain, ils font chier à faire des travaux.
Laisse tomber les fautes, frérot. Oh là là. Chirurgie. Hôpital. Hôpital quoi. Cet hôpital de la Sorbonne, on s'en fout. Voilà, c'est pas mal. C'est pas un vrai hôpital, ça. Non, c'est pas un vrai hôpital, non. Eh, c'est pas grave, hein. Bon, il est très court, hein, écoutez. Attends. Attends, je vais montrer. Thomas Michel. Attends, 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 attends. Je monte. Juste que je fasse. Allez, ta grand-mère, monte. Bon. Ah putain, il s'affiche pas. Ah si, ça y est. C'est dégueulasse, mais bon. Il pue la merde. Il pue royalement la merde. Mais c'est pas grave, vas-y, je vais leur envoyer ça. Ça va être drôle. Vas-y, je vais rejoindre le fichier. Tac. Au pire, je m'en fous, tu vois, après, si c'est pas, si je suis pas pris. Attends, attends, attends. Bonjour. Il y a des fautes dans tous les sens, frère. Hey, ils vont câbler. Oh non, flemme de mettre une photo de moi. Ah, j'ai la flemme. Non, c'est bien comme ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah merde. Regardez. Non, ah, t'inquiète, c'est bien comme ça.
Franchement, j'ai pas envie de faire d'efforts. Je vous cache pas, j'ai pas envie de faire d'efforts sur les formulations et tout. Je pense que ça va être très 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 limite. Non, franchement, j'ai pas envie. Bah, le truc, c'est que je me dis, c'est un peu chiant. Alors, je peux comprendre, il faut ajouter du réalisme, mais c'est un peu chiant de voir faire des... faire un truc... Bah, déjà, le gars, il m'a dit, ah, bah, ça tombe bien, justement, on a des places et tout. Il suffit juste de m'envoyer votre CV et lettre de motive. Mais lettre de motivation, frère... La motivation, tu la vois avec le candidat lors du lors de l'examen. Enfin, lors de l'entretien, tu vois. En plus, ça, c'est une voiture volée. Ouais. Bon, tu sais quoi, j'ai fait un mail bateau en mode... je vous joins mon CV dans l'espoir de travailler au sein de votre service. Car cela m'intéresse énormément de rejoindre vos équipes, quoi. Voilà quoi. Ici il y a un bar. J'avoue que je suis arrivé hier sur le serveur et du coup je visite un peu. Ici il y a un bar, je vais aller voir. Mais je pense que ça doit être fermé. Avec ma voiture volée là. Non, je stream pas tous les jours. Mais là, en fait, vu que je suis en changement d'emploi, en gros, j'ai des jours de congé, quoi. Et du coup, bah là, j'en profite. Bah, je trouve que c'est mieux qu'il y ait du RP. En fait, ça fait le Mass RP, justement. Donc, en gros, Mass RP, je sais pas si tu connais, mais en gros, si tu prends... En gros, la ville est peuplée et en fait, tu prends tout en compte. Non, tout est fermé. Mais ouais, ça me choque pas hein, qu'il y ait du monde. Hein. En plus, je m'attache même pas. Comme un connard et je m'attache même pas. Ouais, non, mais ils réagissent pas correctement, mais c'est pas grave, tu vois. C'est dans le principe. C'est quoi ça? Hop, là. Non, ils vont pas avancer normal. Non, justement, ils avancent pas normal. Quand tu mets un barrage de police, en fait, Il reste bloqué devant le barrage en fait. Ah, pour le coup le serveur est vraiment bien fait. Grossiste, mais tu peux acheter quoi chez les grossistes? Ah, fermé. En fait il y a 4 portes, il y en a qu'une seule où c'est marqué que c'est fermé. Ok, très bien. Bon là, je t'avoue, il n'y a pas beaucoup de monde. Oh, merde. Tout va bien. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que là, on est que 6 sur le serveur. Mais je pense qu'après, il y aura un peu plus de monde. En début d'après, à mon avis. Non, pas très RP la chute, là. Bah, tu sais quoi? Je vais même aller voir... l'ambulance, enfin les ambulanciers, le patron, pour leur dire que je suis tombé des escaliers et que ouais, j'ai raté une marche. Du coup, je me suis fait mal. On n'a rien vu. C'est de l'autre côté. Ouais, c'est RP hein, quand même la conduite. Hein. Ouais, voilà.
Et du coup, je pense que j'ai une petite lésion au niveau des cervicales. Il y a un hélico, j'espère que c'est pas des flics. M'arrêter là parce qu'il n'y a pas de parking. En plus, tout à l'heure, je me suis vraiment pris une voiture. Ça, c'est un PNJ. Attends. On va mettre un peu blessé. Non, mais en fait, j'ai du. Ouais, t'as un peu d'argent, t'as des métiers en intérim. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Bon, cette fois-ci, je viens pas pour la candidature. D'accord. J'ai raté une marche et je suis tombé sur la tête, du coup, j'ai un peu mal. D'accord, laissez-moi regarder ça. Ouais. On va voir. Bon, vous avez une belle petite bosse devant. Ouais. Alors attendez, je vais vous mettre ouais, un petit peu de. Pour éviter les hématomes, les mochoirs, et puis ça devrait le faire. Ouais, merci. Je vous donnerai aussi une poche de glace. Ouais. Vous appliquerez dessus et des antidouleurs aussi au cas où, hein, si ça tape vraiment trop fort. Ouais, ok, ça marche, y a pas de problème. Hop, laissez-moi mettre ça. Merci. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, Est-ce que ça va ça va beaucoup mieux? mieux. Ah ouais, ça va beaucoup D'accord. mieux, ouais. Ok, Ouais, bah alors merci. gardez bien la poche de glace là. Et tenez, je vous donne un petit peu les médicaments pour si jamais vous avez mal. Et puis si Merci. jamais il y a le moindre souci, vous n'hésitez pas à repasser, hein. Ouais, y a pas de problème, ça marche. Ok, pas de souci. Merci. Nickel. Ouais, Merci. je vous fais cure pas, hein, c'est pas grand chose. C'est pour moi. Ok, merci. Bah c'est gentil, ouais. C'est Ben, y a pas de gentil. quoi, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. De rien. Je vous ai j'ai posté ma candidature également, donc je sais pas si Oui, vous aurez le alors temps attendez, de je la vais voir. regarder ça. Ah oui, effectivement, j'avais pas eu le Oh, y a mail. pas de problème. Il faut juste bien penser à mettre votre nom sur le notre Ah oui, mail, sinon effectivement. on prend Excusez-moi. pas. Ouais, y a pas de souci. Je vais le faire. Ok. Bah au vu du mail, j'essaierai de le lire un petit peu tout à l'heure une fois que j'aurai terminé ce que je suis en train de Ouais, faire. y a pas de Et problème. puis on vous donnera un rendez-vous pour faire un petit entretien, histoire de discuter avec vous et de vous Ouais, expliquer y a pas de comment ça problème. se passe, savoir vos motivations. Ouais, y a pas de Ok. problème, ça marche. Ok, très bien. Bon, bah parfait. Merci Parfait, beaucoup. ouais, c'est ça. Bah, il n'y a pas de quoi. Et puis bah j'espère qu'on va se revoir dans d'autres conditions un peu Ouais, meilleures, tu vois. j'espère aussi. Ça Allez, marche. passez une Je vous bonne fais. journée. Au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Putain! Il a vu mon CV, il a fait bon, ok, d'accord, allez, let's go! Ah putain, je suis mort. Ils vont recruter un mec qui a volé une bagnole. Attendez, je l'ai pas volée. Enfin, je l'ai empruntée. C'est différent, elle était déjà ouverte. Ouais, bah écoute, c'est pour faire un peu de RP aussi, hein. Il faut bien, hein. Il faut bien. Emprunter à longue à durée. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Bon, bah en attendant, on va faire mon métier de livreur chauffeur. Hop là, let's go. Ah, franchement, le serveur, il est pas mal, hein. Mais par contre, le whitelist, faut un dossier en béton quand même. Après, vu que j'avais déjà joué sur d'autres. Oh là! Vu que j'avais déjà joué sur d'autres serveurs. Pourquoi tu peux pas? Dis-moi tout, pourquoi tu peux pas? T'as pas de PC?
Ah, on va prendre le camion, j'ai pas pris le camion les autres fois. Ouais, en même temps, ils le font spawn. En gros, il y a déjà une bagnole. Ah, ok. Ah, je comprends, c'est galère. Ah, ouais, bah ouais. Bah, c'est vrai que GTA, il demande quand même un petit peu, tu vois. Ah oui, 4 gigas de RAM, mais c'est rien du tout. Je travaille dans l'informatique, donc... Ah ouais, non, c'est rien. Ah non, c'est rien, 4 gigas, ouais. Putain, j'ai faim, il est quelle heure? Il est midi. Let's go! Attendez, juste. Hop. Je réduis juste la page de. Voilà. Oh, t'inquiète, après tu pourras, hein, mais c'est sûr que quand t'es mineur, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai pas eu un PC tout de suite. Hein. Oh, pour te dire, c'est mon grand frère qui m'avait refait un PC. Mon premier PC. Et je pouvais pas faire tourner grand chose, mais ça, c'était il y a plus de 10 ans, quoi. Donc, ouais. Je sais pas combien de livraisons tu fais. Parce que je sais qu'avec avec la camionnette, c'est 4 livraisons. Tu gagnes 15$ par livraison. T'as quel âge maintenant? Moi, je vais avoir 28. Merde, j'ai pris la mauvaise route. Je vais avoir 28 mois de novembre. Ah oui, quand même. Mais genre. Non, ça va, 28. C'est pas vieux. Ah ouais? Eh ben. Ouais, je dis ça, moi j'ai un petit frère, il a 10 ans de différence avec moi. Hein. Ah bah évidemment, il y a pile poil une bagnole à l'endroit où je dois me garer. Attends. Je vais décaler. Oups. Bon, ça, c'est pas du tout RP, hein. Mais bon, sinon, je peux pas faire ma livraison. Ah. Ah ouais? Ah là là. Bah. D'accord, ok. Ouais, non, mais bon, c'est... Ouais, c'est une voiture de PNJ. Bon, par contre, c'est buggé le carton. C'est une voiture de PNJ, mais bon, quand même. T'es pas censé faire tout ça. Justement, t'as le Mass RP. Et le Mass RP, c'est 7 livraisons. Ah, 30! D'accord. Ah ouais, donc en gros, il faudrait que je fasse que du camion. Et le Mass RP, tu vois, comme je disais, c'est tout prendre en compte. Les PNJ, les joueurs, tout ça. Non, moi là, l'optique après avec mon personnage. Apparemment, ils ont une maison de disques à reprendre. Mais le problème, c'est que. Enfin, moi, je fais de la musique. Hein, mais sauf que. Tu vois, une maison de disques, je veux bien, mais. C'est quand même compliqué. Hein. Bah oui, non, c'est clair, ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de. Bon, j'ai pété la vitre, hein, mais bon. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'était un parking, j'en sais rien. Et ta grand-mère?
Oh putain. Ouais, c'est ça. Bah ouais, moi je fais de la musique IRL. J'ai déjà fait. J'ai déjà publié des musiques et tout sur Spotify, tout ça, mais. Mais c'est pas plus trop mon cœur de métier. Enfin, ça a jamais été mon cœur de métier. Et faire une musique, c'est très 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 long, tu vois. Et ça, c'est le problème, tu vois. C'est que si je dois faire. Si je dois faire des musiques pour le. Oula! Tu as vu sa vie défiler dans ses yeux. Si je dois faire de la musique pour le serveur, ça me fait un peu chier. Ouais, j'ai fait ça pour le kiff. J'ai fait ça parce que je kiffais. Maintenant, c'est plus trop. Tu sais, après les orientations, etc., ça change hein, selon les personnes, tu vois, les hobbies, les machins. Et bah pour le serve ça sert à rien, c'est pour ça, tu vois, j'ai rendu une maison de disques en soi, tu vois, j'ai les compétences. Mais déjà mon perso je voulais faire guitariste, parce que je fais aussi de la guitare. Et au final j'ai dit ouais. Moyennement chaud quoi. Moyennement chaud. Putain, j'ai faim. Hop là, $30. Non, je suis pas tout. Non, mais c'est juste que j'ai beaucoup de passion en fait. J'ai beaucoup de passion. J'ai fait de la moto, j'ai fait de la vidéo. J'adore les jeux vidéo. Je fais aussi de la photo. Ah, moi j'ai pas mal de passion en vrai. Je fais de l'informatique. L'informatique c'est mon métier. Voilà. Après, mais c'est vrai que là. En faire des musiques pour le. Ouais, je suis moyennement chaud. Bah, c'est bien, hein. Et puis ça t'ouvre sur pas mal de choses en vrai. Après, c'est vrai que là, ces derniers temps, l'activité sur laquelle je prends le plus de pieds, c'est les streams, quoi. Pour le moment. Tu vois, en vrai, tu vois, je fais ce que j'aime, tu vois, je fais. Voilà, je joue. Je joue et puis voilà quoi. C'est sympa. Si tu fais partager. Ah ouais. T'es passionné par quoi toi? Faut pas laisser. Faut pas se lasser vite. Faut pas se lasser vite. Quand t'es passionné. Non, c'est après. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. C'est là, en vrai, tu vois, j'aurais joué en mode solo et tout. On passe à côté quartier chaud, frère. Sûr que quand tu joues tout seul, tu vois, t'es. Voilà. Ah ouais, ah c'est cool ça. C'est bien le codage. Ouais. Moi j'ai fait des sites web. J'ai fait des sites web en, genre en mode vite fait, mais. Non, c'est bien le codage. C'est. Faut avoir une certaine logique, ouais. Mais c'est pas mal le codage, ouais. Fonce, hein, fais ce que t'aimes faire, hein. Ça par contre c'est chiant. La même touche. Oh. Non franchement c'est pas mal le codage. Ouais, pour te dire j'ai mon grand frère, il est Ah ouais bah oui c'est sûr. Regarde sur. Je sais pas si tu connais le site Open Classroom.
C'est franchement, ce site est vraiment très très bien. T'as des cours et tout de codage, enfin de plein de choses. Regarde et c'est gratuit. Open Classroom. Franchement, c'est vraiment bien. Ah, y a pas de quoi, hein, t'inquiète. Hein. Non, mais c'est vraiment bien le codage pour le coup. Putain, fait chier, l'autre il. Pas trop décidé. Ah, c'est là. Il était pas trop décidé à me recruter direct, quoi. Putain, je gagne vraiment que dalle. Il y a un mec qui m'a dit va travailler à la mine, ça paye bien. On testera, hein. Je termine la tournée et. On testera la mine. Il n'y a pas énormément de personnes là, là tout de suite, mais bon. Il y a la police aussi. Ouais, la police aussi. Mais le problème, c'est que. Alors, si tu veux du. Si tu veux du RP, t'en auras, tu avec la police. Mais le seul souci de la police, c'est que tu vas faire. Ouais, non, ça fait pas de thunes. En gros, ça rapporte de la thune au gouvernement. Oh putain. C'est ouf lui. Ça fait de la thune au gouvernement en fait, ça te donne pas de la thune à toi. Ouais, après ça dépend des serveurs à mon avis. Mais là non, après je trouve ça. Ouais. Je suis pas pour que ça rapporte de la thune directement aux flics. Parce que sinon c'est du farm et des fois ça peut mettre une mauvaise ambiance sur le serveur. Ah ouais? Ouais. Après, là, le serveur, par contre, il est vraiment poussé quand même. Mais c'est vrai qu'après, les flics, le problème, c'est que bah, s'il y a un fonctionnement comme ça, ça va être mettre des prunes pour mettre des prunes, quoi, et c'est tout. Non, 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 justement. C'est pas RP. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que il faut qu'il y ait du monde, tu vois. Le braquage, s'il y a personne sur le serveur, bah c'est pas RP, tu vois. Pas censé braquer tout seul, quoi. Faut au moins qu'il y ait des flics. Sinon, c'est pas rigolo, tu vois. Ah, il faut avoir du fair play sur les serveurs RP. Putain, je suis rentré sur le mauvais parking. Sa mère. Bon, de toute façon, je pense que je vais stream toute la journée. Hein. On va tester les différents métiers. On va essayer de monter vers le nord parce que. Je jouais sur un autre serveur là avant d'arriver à celui-là. Le problème c'est que l'autre serveur, il n'y a vraiment jamais personne avant 21h. Et du coup, bah, ce qui fait que t'es souvent seul. Et le problème c'est que ça correspond pas moi à mes horaires de stream, quoi. Ouais, non, mais t'inquiète. La porte elle se ferme pas. Hop là. Ah ouais, c'est clair, ouais. Ah ouais, je sais que c'est souvent comme ça, mais c'est pour ça, tu vois, moi je cherchais
un serveur où quand tu joues, tu vois, tu vas forcément croiser du monde, tu vois. Bon, là, tu croises pas énormément de personnes parce que déjà, on est vendredi, quoi, déjà d'une. Et qu'il y a encore des gens qui travaillent, en fait, à cette heure-là. Moi, je travaille pas parce que. Parce que bah, je change de taf, donc. Enfin, je change d'employeur. Putain, je vois rien. Du coup, je peux pas. Enfin, je joue, quoi. Reviens là. Ah, ok, bon. Très bien, fais chier cette porte de merde. Non, après voilà quoi. Mais bon, je pense que je jouerai un peu, genre. Même ce soir, je pense que je serai. Bah, tu peux, hein. Si je veux, je crois que je peux monter à l'arrière. Ah non, je peux. Je pense qu'il faut que les autres places soient prises. Je puisse monter. Mais sinon, tu peux, ouais. T'as des camions où t'ouvres et en fait, t'as la place de mettre une voiture, en fait, dedans. Et sur y a un autre serveur où il disait que. Il y avait des flics qui avaient déjà eu des. Bah. Ah, c'est ici la dernière livraison? Ok, d'accord. Et en gros, ils avaient. En fait, il y avait une voiture de flic qui s'était déjà fait capturer parce qu'ils étaient arrivés à deux camions. Il y en avait un devant, un derrière. L'autre, celui de devant, il a ouvert son coffre. Et celui de derrière, il a poussé la voiture de flic dedans. Ils étaient en train de rouler. Ouais, c'est ça, ouais. En vrai, c'est pas un glitch, tu vois, c'est une possibilité. Ouais, mais toi, t'es con. C'est pas un glitch, en fait. C'est des fonctionnalités que Rockstar ont déjà mis en place, mais qui ne sont pas exploitées, en fait. Il y a beaucoup de trucs comme ça sur plein de jeux. Il y a des trucs comme ça, parce que les mecs, les développeurs, ils s'amusent après là-dessus. Ils font n'importe quoi, en soi. Donc, non, c'est. Je pense que c'est bon. Ah non, oh. Putain, j'ai voulu l'éviter. Bon, en soi, un camion, tu vois, ça fait... Voilà. Bah, c'est pas qu'ils vont au bout de leur projet, c'est que... C'est qu'en fait, ils mettent en place des possibilités. Pour qu'après, des mecs qui font du développement, comme là sur ce serveur, qui développent des. Justement des. Des serveurs comme ça et qui exploitent les fonctionnalités. Aussi, Rockstar, je pense que c'est l'un des seuls studios où ils vont vraiment au bout de leur projet. Hein. Après, il y a des questions de coût, évidemment, mais. ça coûte de l'argent de faire tout ça, mais. Si, ils vont bien, bien loin. Et voilà. On a fait une tournée. Bon, bref, on va changer de taf. On va récupérer la voiture que j'ai empruntée. Ah, j'ai faim. Y a moyen que je me commande deux Mac. Hein. C'est où déjà les boulots d'intérim? Ah mais c'est juste là en plus, je suis con. Wouh. Hop là, titre... Non, il est encore là, hein, GTA 6. Mais tu sais que GTA 5, ils l'ont annoncé, genre pendant 5 ans, il était en développement. Hein. GTA 6, si là, il y a des.
Si, si, y a certains leaks et tout ça, hein, déjà. Ah non, si, j'étais à 6. Ouais, ça fait 4 ans, mais... regarde, ce jeu-là... Dis-toi qu'il a 10 ans. 10 ans. Regarde la gueule qu'il a, le jeu. Il est encore largement d'actualité. En fait, Rockstar, ils veulent... tous leurs jeux, regarde, tu prends même Red Dead. Red Dead, ils ont mis 4-5 ans à le faire. Mais c'est parce que quand ils veulent sortir un truc, ils veulent le faire du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien. Boueur, ça doit être chiant. Au chantier aussi. Vas-y, tu sais quoi, on va nettoyer les terrains de golf. Non, non, un jeu, ça met des années à se lancer. Il y a des studios où ils annoncent juste le développement de leur prochain jeu, que la suite de ce prochain jeu qui va sortir est déjà en développement. Et puis ça coûte des milliards hein, à développer un jeu comme GTA. Hein. Non, du coup, il faut que j'aille. Là. On va aller nettoyer le terrain de golf. Bah, le seul bémol là, par contre, c'est qu'il n'y a pas de. De concession parce que j'ai l'argent pour m'acheter une voiture, mais concessionnaire il est fermé. Et le gars qui s'occupe de la concession, bah il est pas là. Bah c'est le meilleur de tous parce que voilà, mais tu prends San Andreas avant que San Andreas arrive, avant que GTA 5 arrive, le meilleur de tous c'était San Andreas. Pardon pour les bruits, il y a les mecs qui font les travaux. Et San Andreas, t'avais déjà du RP en fait, avant que GTA 5 arrive. T'avais déjà du RP comme ça sur San Andreas. Si vous entendez du bruit, c'est les travaux qui se font au-dessus de chez moi. C'est chiant ça. Non, non, ils font des trucs de ouf, hein. Ah franchement. Ah ouais, bah j'étais à 4, oui, j'étais à 4. J'étais à 4, j'avoue que bon, ouais, c'est clair que j'étais à 4. Ouais, après, y en a certains, ils étaient pas franchement réussis. Bah, après, les trois quarts des GTA, ils sont réussis, hein. Rien qu'au niveau histoire et tout, scénario, tout ça, putain, on tapait des trucs de ouf, hein. C'est comme les Witcher, hein. Les Witcher, je sais pas combien de temps ça met à être développé, hein, mais... Où c'est là-dedans? Là-dedans. C'est lui qui me donne... demander de travailler au golf. Ouais. Ah, je vais avoir une tondeuse, frère. Un truc de ouf. Et je fais comment, moi? Je fais quoi? Pourquoi j'ai des bugs comme ça?
va y aller en reculant. Hein. Je sais pas qui m'envoie les messages. Ouais, je te jure, je comprends pas. En plus, je sais même pas comment ça s'active. Je suis même pas sûr que je puisse activer le... C'est dingue quand même, en reculant, elle bug pas. Ah d'accord, ok. Putain, j'aurais dû prendre une voiturette en vrai. J'ai travaillé. J'ai été payé 6 dollars. Ok. Attendez, attends, je regarde un truc. Ah ouais, putain. Attends. Oh là là, les travaux de merde. Petit boulot, c'est tellement pas rentable. Ah bah ça c'est clair. Hein. Attends. Ok. Bon, la voiture a mis une gaffe. Attends, je vais aller là-bas. Ouais, mais tu peux pas braquer comme ça en fait, parce que mon personnage, tu vois, le background, parce que du coup, tu dois préparer un background en général. Et le background de mon personnage, en fait, bah, il est civil, tu vois, il veut pas faire d'illégal ou autre. Après, peut-être que ça viendra. J'ai ma petite idée en tête. Peut-être que ça viendra après. Mais là, pour le moment. Bon, ça va être mieux ça, une voiturette. Ah, le problème c'est que... Oh, les enculés. Ah, je sens que nettoyer là les. Le jardin là, non merci. En fait, je pense que c'est fait exprès pour que tu. Ça s'arrête pour éviter que ça. Pour éviter que tu rushes trop les trucs. Bah écoute, je vais y aller en marche arrière. Hein. Je peux y aller en une traite. Ah les bâtards! Mais on marche arrière. Voilà, c'est un peu dans l'abus, mais bon. Après, c'est pour rendre le truc un peu plus compliqué, tu vois. Et bon, d'où tu te promènes avec un tracteur comme ça? Ouais, j'avoue, ils auraient pu juste la faire avancer doucement. Hein. Regarde ça. En plus, ce truc il va prendre feu parce qu'à force de frotter comme ça, à un moment donné, le truc il va me dire ah fuck, je peux plus rouler. Est-ce que je lâche peu au moins? Quand même. Ah bon. J'ai eu peur. Il s'est caché mon perso. Ça c'est vraiment de la merde. Je pense qu'on va emprunter une voiture de façon longue durée. Vas-y fuck, je me casse de ce truc là, ça m'a gavé. Donc je vais le ramener tranquille.
Et on va aller faire un tour de l'île. Voir s'ils ont fait du modding de ouf ou pas. Il y a des trucs, je suis pas allé visiter, tu vois. Il y a genre ça. Ça, c'est. Ça existait pas. T'as quoi d'autre? Ouais. Ça, ouais, ok. Ça, on peut aller voir. Là, ici, t'as un truc aussi. Le Yellow Jack. Mais bon, le Yellow Jack, on le connaît. Ouais, ah ouais, j'avoue, le casino, ouais. On va faire un tour. Et puis après, on va monter jusque là-haut. Là, tu vois, t'as des trucs de distillerie. Ça, c'est quoi? Brasserie. Y'a d'autres. Bon, y'a rien d'exceptionnel, si, y'a ça. Faire de la location de jet ski aussi. Et on va faire du jet ski. Ça, c'est quoi? Téléphérique, ok. Pop dinners. Aussi un ranch. Ouais, c'est ça, c'est le ranch. C'est un endroit où tu peux travailler aussi. Et là, par contre, il y a un patron et tout. Ouais, peut-être pas la roulette russe, hein. Peut-être pas quand même. J'ai tellement faim. Je vais me commander un truc. Ouais, ça aurait été très stylé. Ah, franchement, le jeu, tu vois, il est stylé. Regarde, il laisse même les traces sur la route et tout, tu vois. Je trouve ça ultra stylé. Hop là, allez, c'est bon, j'ai terminé de travailler, frérot. Arrêtez de travailler. Allez, prends ta paye, feignant. J'ai envie de lui foutre une droite. Mais c'est pas RP. Pas RP de foutre une droite là comme ça. Attends, je commande parce que j'ai la dalle de ouf. Tu sais quoi, je prends un petit 280 des familles. Juste pousse-le. Je peux pas le pousser. Ah ok, d'accord. Ouais, le PNJ il est bugué. Enfin, il est bugué. Non, il est pas bugué, mais bon. Attends, potatoes, sauce potatoes. Enregistré en boisson. On sait tout ce qu'on va prendre. Iced tea. Voilà. Ça, c'est un peu abusé si je l'emprunte. C'est pas du tout RP. Après, en soi, les voitures, elles sont ouvertes. Hein. Merde, c'est pas là. Vas-y, bonne journée à toi. Tu profites bien de ta journée. Merci d'être passé, c'est cool. Bon les gens, je commande là. Alors, où est-ce qu'on va? On va essayer de voir déjà, ouais, ici, la rigueur. Putain, elle bombarde un peu.
Hop. On va faire ça. Hop là. Tac, on valide. Ok. Ok. Oh, il y aura du monde là, il y a une autre personne qui vient de se rajouter. Putain, un bombarde sa mère hein. Hop là. On va aller voir si c'est ouvert, mais je pense pas en dessous. En vrai, je pense pas. Ah oh. Quoique. Ah si, c'est ouvert. Ah, il y a une roulette, je crois. Que tu peux faire tourner et tu peux gagner un véhicule. J'avais pas assez de jetons. Faut que j'aille en acheter. Acheter des jetons. Ah! Ah d'accord, ok. Attendez, j'avais pas vu le prix. Un jeton égale 5$. Ah! Bon. Ah, attendez, j'arrive. J'arrive deux petites secondes. Paf. Paf. J'arrive, hein.
Le livreur, il arrive d'ici 10 minutes, les gars, donc... Du coup, moi, je vais... Je vous laisse en attente, comme ça, et puis je reviens... Je reviens dès que c'est bon. I've been running down a dark road, a really, really far road, a far road. I don't know if I can go on my own. I'ma run it till I get caught in my storm. I'm running down a dark road, a really, really far road, a far road. I don't know if I can go on my own. I'ma run it till I get caught in my storm. I don't know why I'm still in pain. Play-Doh, one freedom, you a bird in the cage though. Two time, you gon' play them games all day. Just give me my space, I will be okay, maybe one day. I won't be. Running down the dark road. A dark road, a really, really far road, a far road. I don't know if I can go on my own. I'ma run it till I get caught in my storm. I'm running down a dark road, a really, really far road, a far road. I don't know if I can go on my own. I'ma run it till I get caught in my storm. Told you what happened, I told you what happened. Don't ask me why I'm never laughing. I said I'd be fine. I told you what happened. Don't ask me why I'm never laughing. I said I'd be fine. Yeah. Out the way, yo. Out the way, yo. You just tryna fit the mold like Play-Doh. Hey, wanna feed on your bird in the cage, though. Two time, you gon' play them games all day. Just give me my space. I will be okay. Maybe. Running down a dark road, a really, really far road, a far road. I don't know if I can go on my own. I'm running till I get caught in my storm. Running down a dark road, a really, really far road, a far road. I don't know if I can go on my own. I'm running till I get caught in my storm. Yeah. Running till I get caught. Where am I in a row? Either way, my mental getting traded.
I swear on God, you on my book shit. This shit's so wrong, baby. Is that my voice? Drippin' like a school. On a four with school. Baby gonna school. She funny with it. Cool. 3-5-4 thump. I'm a hump on a bounce. Jack and Jill up a hill. Baby tryna get a meal. Mary had a little lamb. I really do not fuck with Zen. She calling me the muffin man. I surely like the muffin top. Snow, let my lashes. I can't pick yo. It's either tits or some asses. Blue cover glasses. Please don't be so hassle. I'ma pull up on the 30 all the way from Kansas. Whoa. Yeah, I think I need a teaser. If she be a pleaser, baby needs a squeezer. Anybody leave her, she tryna buy my dick. And you biting on my style, is your name Sharkeisha? Can you like the Mona Lisa, cause you was a fake. And the reason why I went to school, numbers on the paper. And there's several faster ways to get the money and those cakes. And your girlie really bout the cake, she looking like an easy bag. Leave you covered up and couple nerves, what you say? What you say? Went to school and cop a Goya purse for my sake. Please don't tell me you gon' pipe it first, not okay. Money at the end, I'm coming first, on the leg. Drippin' like a school. On a four with school. Baby gonna school. She funny with it. Cool. 3-5-4 thump. I'm a hump on a bounce. Jack and Jill up a hill. Baby tryna get a meal. Mary had a little lamb. I really do not fuck with Zen. She calling me the muffin man. I surely like the muffin top. Muffin top, muffin cars. I don't wanna stop. Got it on the lot. Would this baby ever flop? Sexing all these rappers. I just let it slap. Chop. She had a hard right behind my desktop. Whoa, baddie, why she praying to me? Ho ho, gotta give her when you're on your knees. Oh no, sick and tired of doing shit for free. Yo bro, I'm a voice boy. Is that Fletcher? Don't you like it when these diamonds look like respect? I'm a little closer, sexy boy, and in the scratch. Keep a little Henny, that's the cause and defect. Baby, no money to this money, let me collect. Big bag, price tag, Gucci bag, okay. Don't break cocaine, red flag, no way. Big bag, price tag, Gucci bag, okay. Don't break cocaine, red flag, no way. Drippin' like a cool. On a four with school. Baby gonna school. She funny with it. Cool. 3-5-4 thump. I'm a hump on a bounce. Jack and Jill up a hill. Baby tryna get a meal. Mary had a little lamb. I really do not fuck with Zen. She calling me the muffin man. I surely like the muffin top. Baby, no money. Dude, I'm so tired. Can we go home? Been stuck in my head and girl I really wanna talk now. Chill at your place but every day you will walk out. Okay cool, can we calm down? Anger inflates, slapped in the face with your palm. I don't know what to do when it's late and I'm tired. And you're on my mind, take a hit to feel higher. Text you again when I'm feeling inspired. I recognize I'm reigniting a fire. Hey, what you wanna do with me? I heard you telling everybody that you cool with me, but like you never text back. Every night relapse on the pain, but you never let your parents see that. Now you stuck in a cycle of fuck ups and jealousy. In my live stream, hit me up just to yell at me. Wow. Think of the times you were hesitant. Thoughts about me, hope you know they're indefinite. Solitary confinement, open-minded, but my mind's been lost and I'm really just trying to find it. Yeah, we're magnets, just trying to manage attraction. Damaged and shattered to fragments. Love like a spiral, I'm just trying to catch it. But I guess I suck and I just need some practice. And I'm wishing I could rip you out my head like my hair. Yeah, if I was dead, would you even care? If I had a funeral, would you be there? Sometimes I wonder what colors you'd wear. Will you move on and tell yourself that you're strong? While you let me fade as I'm dead and I'm gone? Will you hold it down till you meet me in God? Or love someone else and leave me to be lost? I thought for life meant for life until mama remarried 3 times. I never saw through the lines. Growing up, I thought that life would be fine. Now I'm just watching as everything dies. Maybe it caused this, it's all for me. Yo les gens, alors ce qu'on ce que je vous propose, vu que je viens de récupérer mon domac,
C'est qu'on mette pause au stream et je reprends juste après avoir mangé. Et comme ça, ce sera moins chiant bah, pour vous et pour moi, quoi. Parce que si je dois m'arrêter toutes les 30 secondes pour bouffer mon truc et tout, vous, ça vous donne pas trop envie de regarder. Donc vas-y, je bouffe et je reviens après. Allez, à toutes!